Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'incroyable suite de notre aventure sur Spider-Man 2. Et regardez qui me harcèle. MJ, elle a jamais pu finir sa conversation. Et ça, c'est terrible. Et évidemment, on va faire notre pierre qu'on trouve en bas. On va la laisser finir, la pauvre bichette. Ça fait trois fois qu'on a interrompu l'épisode précédent. 4K 60 FPS. Mettez-vous bien. Et on va passer tous ensemble. Mais un agréable moment, vous l'aurez, je pense, compris. Hey, ok. Tu sais que je préférerais passer la journée au lit avec toi à lire un magazine scientifique. Un magazine ou autre chose. Oh, attention! Aïe! Vous allez mettre du stock partout! Oh. Ok. Oh, waouh, lui, il est balèze de fou, hein. Il m'a mis des sacrées petites patates. J'ai des points de compétence aussi. À me mettre, si je puis me permettre cette expression. Et j'en ai pas autant que ça, donc c'est pour ça que je vais calmer un petit peu. Je vais tempérer le délire. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça. C'est fait. Et ça, c'est fait. Nouvelle pierre. Oh, il y a des civils, MDR. Oh, on rigole bien ici. Bon! 4K60. On n'oublie pas le commentaire, on n'oublie pas le j'aime. Fait toujours plaisir, vous l'aurez compris. Maintenant, c'est à mon tour de les suivre à la trace. De découvrir qui ils sont. Je me suis retrouvé dans une école abandonnée, Caroline. Ok. Marco a dû se sentir si seul pendant tout ce temps. Complètement pris au piège. Je sais ce que ça fait. Bon. Ouais, on sait ce que ça fait, mais enfin, on l'a remis en prison, le Marco, hein, donc on l'embrasse. Quoique non. Lol, maintenant il est évadé. Allez. Oh là là, la quad fit de fou. Allez, ça c'est fait. Éclatage de gueule dans les règles de l'art. La délinquance, à la batte de baseball qui plus est, ce n'est pas autorisé, monsieur. Et si vous mettiez vos forces au service des autres, je suis sûr que le fist apprécierait votre aide. Bien dit, mon Spidey. Ok, on était en plein Chinatown, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'on a là? Je vois pas de méchants. Miles et Gonky se sont peut-être trompés. Ok, je suis au pont. Mais aucune trace de nos enragés du safari. Oh non. Pourtant, on était sûr. Désolé pour le plan foireux. T'inquiète, on les trouvera. Non, sérieux, les gens sont dégueulasses. Hein? Ah oui, non mais les gars, c'est un nouveau monde ou quoi, les frères? Okay. Arrête-toi, t'es une forceuse. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Ok. Ça c'est fait. Bon, ça me cassait les couilles de tout ça. Qu'on est rentré dans une nouvelle galaxie, les frères. Où est-ce que votre chef en mêlée et Dardan? Elle joue. Toi, je veux que toi. C'est pas du tout inquiétant, ça. Ok, il me faut une autre barre de concentration parce que c'est terrible, juste une. C'est compliqué, oh. Bon, ça, c'est... Oh, la feinte que je lui ai collée, le frère. Quoi ce délire, les frères? Oh, on est où là? On est dans Turok? Okay. Ils ont des petites jets et ils sont bien. Voyons ça de plus près. Cachés tous, ils sont très très bien. Ça me conduira peut-être à des réponses. Allez, vas-y, mon poulet. Montre-moi ton nid.
courses-poursuites vont me manquer quand je serai à l'Emily May. Cette adrénaline, les courses d'obstacles à travers la ville. Ok. On lasserait jamais. Qu'est-ce que je vais faire de la vraie science pour un vrai salaire? Non mais c'est fou, j'y suis arrivé. J'ai une carrière stable. Ok, Parker, tu t'apprends. Tu pourras fantasmer plus tard sur tes projets scientifiques. Chasse. Wow. Il m'a envoyé un missile solaire ou quoi les gars là? Ah oui! Ah, il passe par les bâtiments directement ce frère! Vol, vol, mais tu ne m'échapperas pas! Non. Sympa le camouflage. Tu peux jeter un coup d'œil sous le capot? Je prends ça pour un nom. Ok, let's go. Et deux camouflages. Je me demande si ma tenue réussirait à identifier leur fréquence visuelle. J'ai pas aperçu votre chef. Où est-ce qu'il se cache? J'aimerais bien lui toucher deux mots sur ses chevilles. Tu n'es pas digne de son attention. Mais Scorpion, oui. Ok. On va essayer de faire un maximum de combos aériens. Tiens, toi, tu fermes ta gueule. Alors. Et voilà, c'est terminé. Chercher d'autres informations, évidemment. Bon, le petit camouflage optique, très stylé, hein. J'aime beaucoup, hein. Ok. Alors. Désolé, poulet. C'est peut-être gênant pour toi, mais ça l'est tout aussi pour moi. Il devrait y avoir une... Ah, ouais. Ah. C'est ta maison, ça. Oh, non ! Allez, poulet, lâche-moi ! Allez ! Ah, je ne veux pas faire partie du voyage ! Attends, ça peut tuer des gens en bas si ça tombe, ça, les gars! Ok, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Je vais envoyer la localisation à MJ. On trouvera peut-être des infos sur ce bâtiment. Où est-ce qu'on va? Bah écoute, on va par là-haut. Oh waouh, une maîtrise de kung-fu. C'est l'emplacement que je t'ai envoyé? Ouais, c'est un ancien marché. Propriétaire décédé, il a été vendu il y a quelques semaines. Attends. L'acquéreur? C'est une société écran qui rachète des propriétés partout dans la ville. Genre des immeubles entiers. Je voulais en faire un article le mois dernier, mais je manquais de preuves. Tous les témoins que j'ai pu contacter ont... disparu. Hé, vous deux, allez vous rendre utile. Le départ est imminent. Qui sont ces gens? Je vais le découvrir. Bonne chance. Je dois les neutraliser discrètement. Et le reste des chasseurs? Les amis, on va essayer d'être discret. Les canaux opérationnels. Si vous attaquez un ennemi portant une icône de danger, cela altérera ses alliés proches. Vous vous en doutez. Il faut que j'arrive à en éloigner un. Attirer en lançant des toiles sur les surfaces. J'ai entendu du bruit. Et donc... Allez, ça j'ai hâte, hein. J'aimais beaucoup. Voilà. Ok. J'aimais beaucoup ce délire d'infiltration dans Spider-Man. T'as pas perdu de temps? T'as trouvé quelque chose? Deux choses. Ce groupe armé se fait appeler les chasseurs. Et ils viennent d'un peu partout. Des mercenaires internationaux? C'est ce que je pense. Tu tiens peut-être un sujet qui pourrait finir en première page? Je bosse dessus. Merci. Oh, et vu qu'on parle boulot, j'ai accepté l'offre d'Harry. Fantastique! Ça, c'est stylé. On devrait fêter ça. Quand t'auras fini ce qui t'occupe en ce moment. Carrément. Ciao. Regardez la qualité du soft. Et ça... Ça me fait du matos. On dirait que c'est pas trop stylé. Ok.
Oh non! Craven, c'est leur chef? Ok. Oh waouh! Tu n'étais donc pas mort! Ok, toi. C'est fini. Et toi là-haut. Y'a plus personne? Ok. Et ben voilà! J'ai vu tout le monde. Mal. Alors, qu'est-ce qu'il fabriquait? Bon, je pense que. Voilà, c'est là-bas. Toi. Une vidéosurveillance de l'affût où je viens de passer. Il y en a d'autres apparemment. Et partout dans la ville. Je vais envoyer ça à Genki. Ça devrait l'aider à les localiser. Que chasse Craven? Et pourquoi? Eh bien, je crois que c'est nous qui chassons. Hein. Avancez dans la base. Je crois que c'est nous qui chassons. Bon, on a foiré l'infiltration, mais on a une autre chance. Avec les salles suivantes. Ok. Toi aussi, t'as faim? Reste calme. Je comprends pas, là. Ok, si, c'est bon, je crois. Oh, c'est pour moi? C'est trop, fallait pas. Oh! Robuste et souple à la fois. Je me demande. Cool. Moment de sortir mon nouveau jouet pour un tour d'essai. Les bases alentours sont connectées. Ok. Derniers affûts sécurisés. Champ de camouflage opérationnel. Oh. RAS. Stylé. Aéronef. Drone rapace. Munitions. Provisions. Il manque encore des cargaisons. Je vais devoir rendre une petite visite. Allez, ferme-la. Tu vas rendre visite à personne. Ils ont l'air mieux équipés qu'une armée entière. Ce Craven doit être riche. Ou avoir le bras long. Ou... les deux. Trop stylé. Oh là là, alors ça, par contre, ça, c'est stylé. Pourquoi pas. Mais en vrai, je m'attendais pas à ce que Craven s'intéresse. Avec ce qu'il a dans ses étuis, je l'ai vu sauver un chasseur qui était sur le point de crever. On peut dire qu'il s'encombre pas avec les carcans de la médecine moderne. Ça explique beaucoup de choses. Comment ça? Ça va que leur c'est vision est quand même bien réduite. C'est pas normal. Ok. Concentré sur toi plus que sur les autres. Tu les galerais sans problème. Si tu le dis. Alors attends. Bien ça. Trop commence à devenir petit. Une machine. C'est trop stylé, vous allez voir le nombre d'ennemis qu'il va y avoir de pendus. Ça me fume. Quelqu'un aille voir la patrouille. J'y vais maintenant. Ils sont partis. On a de la compagnie. Spider-Man! Je suis con! Voilà. J'ai libéré une toile. C'est pas grave. Et toujours en infiltration, hein! Les gars! Oh.
si je puis me permettre. J'ai pas d'autre option, on dirait. Tout a l'air ok, les gars. Non, je m'en suis mal sorti. Ok. Un labo de recherche? Qu'est-ce que c'est? Oh. Tante May était si fière de son travail au Fist. Même s'il y a complètement perdu les pédales, j'espère que ça veut pas dire que tout ce qu'il a touché a aussi été corrompu. Craven étudie le sang de Lee. Il essaie peut-être de comprendre l'origine de ses pouvoirs. Ou comment se les approprier. Un masque des démons intérieurs. L'ancien gang au super pouvoir de Lee. J'espère que Craven ne veut pas les imiter avec ses chasseurs. Ok. Des hallucinogènes. Ça doit être ce qu'il y a de pire dans le poison de scorpion. Si Craven intègre ça à son arsenal. Oh. C'est. Le tiare à pétaï. C'est une des fleurs les plus rares du monde. Son essence possède des vertus médicinales extrêmement puissantes. Je voulais m'en procurer il y a quelques années pour combattre le poison de scorpion. Mais. J'avais pas de quoi me payer un vol pour. Rayatea. Et Craven a les moyens, lui. Le docteur Farley Stilwell? Scorpion tire ses pouvoirs de ses expériences génétiques. Craven s'est bien renseigné. Ok. Pour l'instant, les gars, ça sent pas bon cette histoire. Ils testaient leurs armes sur cette armure? Et y a pas une seule éraflure? Belle armure. Une réplique presque exacte. J'imagine qu'il devait tester les points faibles. On n'est jamais trop prudent avec Scorpion. Attends une minute. Regarde. Très bien dissimulé, ce trou. Ok, on est reparti. Ouais, MJ, j'ai un nouveau nom pour toi. Craven. Tout porte à croire que c'est le chef de la bande. Et il organise une espèce de chasse. Craven le chasseur. Il chasse quoi exactement? Je suis encore dans le flou. Scorpion et Lee sont impliqués. Tu peux te renseigner sur ce Craven en attendant? Et mettre Miles au courant? Je m'en occupe. Fais attention à toi. Va falloir qu'on allume encore combien de feux dans la ville? Autant qu'il le faudra. Okay. Craven dit qu'il y en a partout dans son rêve. Mais son rêve est prémonitoire. Ça veut dire que les feux seront là, quoi qu'il arrive. Pourquoi on se donne autant de mal? C'est lui qui décide d'allumer les feux, pas le destin. Comment je peux faire? Ok. Alors comme ça, il paraît que Scorpion t'a pas impressionné? C'est pas que ça m'a pas impressionné. Waouh. Mais... Encore? Ça venait d'où? Bien. Ok. Heureusement que leur vision est réduite, sinon le jeu serait littéralement impossible. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a toi. Par ici. Prends au moins, c'est plutôt pas trop mal. Oh waouh. Faut que je m'occupe de lui parce qu'il peut être très très chiant. Tiens, écoute ça. La crinière que porte Craven. Tu as déjà entendu son histoire? Je savais pas qu'il y en avait une. C'était dans une mine, pas loin de Tsavo. Un lion avait massacré. Ok. On n'aura jamais la fin. L'autre, il s'est pas posé de questions. Juste là. Si, c'est bon. Trop bien.
complètement à bout de souffle, d'avoir été enfermé aussi longtemps. Et merde. Ah là 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 là. Ça, je vois pas comment m'en débarrasser. Ok. Bon, c'est pas grave. On va s'en occuper à l'ancienne. J'ai encore les flèches dans mon corps. Ok, tiens, prends ça, toi. Tellement chaud. Waouh. C'est qui lui? Et on joue pas aux mêmes règles hein. Oh waouh. Oh non. Première mort. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Mais j'aime bien. J'aime bien. Un peu de challenge. Bon. On va essayer de se la refaire en mieux, d'accord? J'espère que ça vous gêne pas. Ok. Très bien. C'est Dodo. Ça, je ne comprends pas, les gars, encore. Hein. On va essayer de bien faire les choses. Ok. Allez, bisous, Kana. D'accord, c'est aussi simple que ça. C'est incroyable. Non mais c'est trop trop bien ça. Ok. Ok. Superbe. C'est l'heure de la sieste. Sentinelle, vous me recevez? Pas de réponse. Que quelqu'un se rende sur place. Viens par ici. Ok, c'était donc une sentinelle. On se régale. Hein. Et encore ce bruit. Ok. Oh là 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 là, la régalade. Ta patrouille extérieure ne répond plus. On a peut-être de la compagnie. J'y vais maintenant. De ce que j'ai vu. Ça te fera du bien. Y'a personne. Alors Spider-Man doit être. Voyez du géant. Ok. Sors.
Ok. Oh, on est trop fort. Et ben voilà. Bonne nuit, les petits. Regardez. J'aimerais des réponses. Les questions, ça commence à bien faire. C'est pas trop stylé? Eh, ça va, hein? Ça va, ça va. Là, ça a été bien fait, j'aime bien. Alors, Kraven, dis-moi ce que tu cherches. Attends. Partir chasser avec Scorpion Ellie, je comprends. Mais Black Cat est une voleuse. Je pige pas. Ah! Tu sais que les vilains chiens sont privés de grenade? Gentil, toutou, débarre, robot. Ok. Pas de soucis. Ah, là, il y a un souci. Oh, sacrée dentition. Ok, donne la patte, belle mort. Allez. Ça, c'est fait. Waouh! Ah, enfin! J'attendais la fourrière avec impatience! Ok. Allez! Ça c'est terminé! Oh, bah maintenant que vous êtes là, j'ai une question. Il chasse quoi, Kraven? Je peux peut-être t'aider. Tu vivras pas assez longtemps pour aider qui que ce soit. On parie. Bon. Les phases comme ça, vous savez que j'ai besoin d'un maximum de concentration. Bon. Attends pour tes conneries. Ce serait quand même plus simple pour tout le monde si quelqu'un m'expliquait ce qui se passe ici. Kraven chasse ce que l'homme craint le plus. C'est tout ce que t'as à savoir, l'araignée. Donc il chasse l'échec, l'intimité, des clowns. Ah oh oui, les clowns, c'est bien ça. Eh bah, bon débarras. Cible accrochée. Attention. Ok. Oh la vache. J'ai besoin de me concentrer, les amis, pour fournir le meilleur des gameplays. Je ne peux pas me libérer. C'est quoi ce bruit là? Arrête-toi. M'en fous là ce Clippers. Qu'est-ce que vous protégiez? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. Je dirais que ce Kraven met en place une équipe de choc. Ah!
Alors comme ça, c'est tout ce que tu as. On m'a dit que tu étais un tueur. Imagine l'ampleur de ma déception. Où êtes-vous? Chérie, tu es prêt? Pourquoi? Vraiment? Mon invité va arriver et tu surfes encore sur le net. Maman, plus personne ne dit surfer sur le net. Tu peux t'habiller, s'il te plaît. Ok, ok. T'as mis ton super rouge à lèvres. Il te plaît vraiment, ce gars-là, hein? Miles? Excuse-moi, je... La prochaine fois, je te promets que... Miles. Je t'aime. Allez, on est parti. Le soleil commence à se coucher, ouais. Il va bientôt faire nuit, j'ai hâte de voir le jeu de nuit. J'ai trouvé ça une des bases des allumés du safari, ou des chasseurs, comme ils sont appelés. J'ai aussi appris le nom de leur chef, Kraven. Il a tué Scorpion. Et il a toute une liste de super vilains à éliminer. Hein, quoi? Ça veut dire... Ni? Je sais pas. Mais cette liste est longue. Ça doit être les hommes dont Marco nous a parlé. Ils traquaient l'homme sable. C'est pas vrai. Et Felicia est sur leur liste aussi. Black Cat? Ton ex? Exactement. Elle n'écoutera pas si je lui dis qu'elle est en danger. Mais peut-être qu'elle écoutera quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Si MJ t'envoie quelques adresses, tu serais OK pour aller t'en occuper sur place? Pas de soucis. Merci. Sincèrement. Il faut que je me vide un peu la tête. Mais rappelle-moi s'il y a quoi que ce soit et... On va retrouver Lee, Miles. Je te le promets. Il me reste un peu de temps avant qu'MJ m'appelle. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Les amis, on fera la criminalité, le jeu est tellement beau. J'ai chercher d'autres pères. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire et à bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.